Pratiquement une carte importante pour sa sélection de la future Coupe du Monde. Italie-France, c'est parti pour le tournoi Destination 2007 avec ce coup d'envoi de Roland de Marigny et un ballon capté par Bonner, Julien Bonner avec son numéro 7. Et du bon côté, Davis Krela avec son pied droit. Elle prend la direction des poteaux et elle passe. On va renverser grand côté avec Canale, Sergio Parisse, la passe redoublée, magnifique. Mais la deuxième passe est dans le dos et ils sont en difficulté, les Italiens, avec le contre peut-être mené par Christophe Dominici au pied. Poursuivi par Massi. Christophe Dominici qui va éviter la touche et qui va marquer le premier essai. Un contre de 80 mètres avec cet essai de Christophe Dominici, le premier essai du match. Alors qu'on va revoir ce compte de Christophe Dominici avec un premier jeu au pied de Ibanez, poursuivi par Dominici. Raphaël Ibanez qui avait profité de sa montée très haute pour couper la trajectoire du ballon par le pied. Et Christophe Dominici à la lutte avec son vis-à-vis. Mignoni à nouveau, Bonner, pris par Bortolomi. Libération. Oh, la charge de Chabal, qu'on n'avait pas vu en équipe de France depuis 2004. Le relais de Nalé. Mignoni toujours sur le fermé, Skrela, et deuxième essai français sur cette passe sur un pas de Skrela, et c'est signé Cédric Evans, et c'est à nouveau... On va revoir ce côté fermé, Père Mignoni, David Skrela qui va chercher le dernier défenseur, qui le fixe et libère Cédric Evans le long de la ligne, suite à 5 ou 6 temps de jeu français, bien maîtrisé, bien animé par Sébastien Chabal, par Mignoni, ça joue bien, ça joue vraiment bien du côté français, les Italiens souffrent énormément. Hein. On va voir au ralenti cette David Skrela qui va chercher le dernier défenseur qui l'oblige à venir sur lui pour décaler Cédric Evans qui n'a plus qu'à utiliser ses jambes de feu pour finir sous les poteaux italiens. Demi-heure de jeu ici à Flagos ce jour-là. À vous de jouer. Et pendant ce temps-là, Ramiro Pes a posé son ballon pour essayer de marquer les trois premiers points de la squadre là, entraînée par Pierre Berbizier. Pied gauche pour le voir italien de Bayonne. Et les voici, les trois premiers points de l'Italien, réussis par Ramiro Pes. Et nouveau lancé d'Ibanez. Une des dernières actions de ce match. Mignoni, dans l'intervalle, est allé chercher le relais de Peter de Villiers après avoir feinté la passe. Bien joué, Mignoni relève cette balle, cette fois pour Millou. Oh, ils enchaînent parfaitement les bleus de Bernard Laporte au Chabal. Pour aller sur la LTC, Gallois, monsieur Tim Hayes, qui va officier alors que l'on revoit ces images. Vous voyez, le ballon touche la ligne avec la main de Sébastien Chabal en opposition. Regardez, là, on le voit très bien. Essai. La ligne fait partie de l'embut, donc c'est essai. On ne peut pas refuser cet essai aux Français. Attentif, monsieur Barnes. Voilà, essai, bien vu Fabien. Troisième essai des Bleus, signé Attila. Sébastien Chabal, regardez-le, ce look magnifique de Sébastien Chabal. Premier match du tournoi. Sébastien Chabal, prise en fond de touche, le soutien de Olivier Millou pour ce relais des avants de France, qui enchaînent parfaitement dans l'axe. Ils sont parfaitement structurés. Ballon bien mis au chaud. Ah, ils souffrent les Italiens face à l'effort collectif des Bleus. Mignoni attend. Retarde au maximum cette sortie de balle, surtout que les Français avancent dans l'axe avec encore Millou. C'est fait, Mignoni passe les bras et doublé de Chabal. Après un magnifique travail des avants. Ballon extrait au bon moment. On n'a pas débuté mieux. Suite à un ballon porté, Père Mignoni qui inverse le jeu, qui propose une place très plate à Sébastien Chabal qui vient couper par sa course la défense et vient déposer le ballon sur... dans l'embut, Mignoni qui porte en travers et qui croise sa course avec celle de Sébastien Chabal qui prend un revers. Pour rappeler ses avants, Sylvain Marconnet. Le relais de Dimitri Zarzewski. Ah, sa bataille dure. Hein. Ouais, on cherche d'abord à éprouver. Parce que là, la diagonale pour déplacer le jeu au pied jusqu'à l'Embémat. Ok, a permis à servir Poitrenaud de crochet intérieur. Qui va servir Josian peut-être pour le cinquième essai des Français. Le voilà accordé par monsieur Barmès. C'est Cédric Evans qui a gagné le ballon en l'air. Il le dévie volontaire, hein. comme un volleyeur. Exactement. Pour une passe intérieure à Clément Patronneau qui était juste à son intérieur. Et Yannick Josian, un essai toulousain. Hein. Il a vu qu'il était pris par son
défenseur, c'est le gamin. Et regardez, il voulait volontairement la balle dans les bras de Poitrenon. Le laisser à trois Toulousains, Emans, Poitrenon et Josion, se sont retrouvés les yeux fermés comme un club. En attendant, la première tentative de Lionel Boxis entrée en jeu il y a quelques minutes. Sur cette pénalité, 45 mètres de face, elle passe. La pénalité de Boxis. Force les avants transalpins. Non, ça y est, Troncon écarte avec Pes. Voilà, passe sautée qui n'a pas été récupérée par Robertson. Récupération française. Et ballon perdu. Ballon perdu. Intervention même de M. Barnes. Chaque fois qu'ils ont poussé le ballon sur l'extérieur, ils ont été punis par la défense française. Ils ont perdu le ballon ou ont été contrés. Belle, belle efficacité et belle défense française. C'est fiffc'est fini. M. Barnes, c'est la fin du match. Victoire de l'équipe de France pour ce premier match du tournoi. Les hommes de la porte, les hommes de Bernard Laporte gagnent à l'Italie. 39 à 3. Les Français ont marqué. David Strella.